Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je me présente devant vous dans cette noble Assemblée, dans une procédure exceptionnelle, parce que l'enjeu de la langue française est un enjeu important. Pour notre formation politique, c'est un enjeu fondamental qui guide notre action depuis des décennies. Et c'est pas sans raison. La loi 101, dont à peu près tout le monde se réclame maintenant, a été adoptée dans des conditions difficiles en 1977 par un gouvernement du Parti québécois, avec le premier ministre René Lévesque, avec le grand Camille Lorrain, avec des parlementaires qui avaient une vision pour le Québec et qui ont voulu certainement assurer son caractère français. Et on n'a jamais cessé de travailler en ce sens. J'ai eu le privilège de participer au gouvernement de la première ministre Pauline Marois. On a déposé le projet de loi 14 dans un gouvernement minoritaire, convaincu qu'on allait pouvoir avancer. Et c'est avec regret que j'ai appris à l'époque qu'à la fois le Parti libéral du Québec, j'avais moins de surprises, mais la Coalition Avenir Québec n'a pas voulu renforcer la loi 101. Alors, cette formation politique, depuis le début de ses activités, n'a pas démontré un intérêt soutenu et des œuvres qu'on peut juger en matière de langue. Lorsque l'ADQ a été achetée par la CAQ et avalée, lorsque la Coalition Avenir Québec a commencé ses activités, la langue était nulle part, la Constitution, c'était nulle part. Il y avait les enjeux autres, par exemple, de couper des milliers d'emplois chez Hydro-Québec. Il y avait ça à l'époque. Faire seulement un mandat, ça ne tient plus. Mais la langue s'est apparue plus récemment. Et je trouve que le ministre, j'aimerais pas être à sa place dans ce gouvernement. Ça doit être difficile d'être un des seuls nationalistes dans un gouvernement fédéraliste. Et ça se vérifie. Quand il y a eu le débat du bonjour aïe, et le ministre, avec la candeur qu'on lui connaît, dit « Écoutez, on pourrait légiférer sur le bonjour aïe, qu'est-ce que ça a donné? » Non, le premier ministre ne veut pas. Donc, ça sera pour une prochaine fois, Monsieur le ministre. Ensuite, il a voulu déposer successivement un plan. C'était toujours imminent. On en a recensé 7 occasions où le ministre a dit que c'était imminent. Ça a commencé en septembre 2019. Je m'en souviens, ils ont choisi la journée de notre caucus à Valleyfield pour faire ça, l'arrivée du ministre. Et depuis ce temps-là, on attend. On attend. Manifestement, il y a des gens à convaincre dans cette grande coalition, des gens qui ne sont pas convaincus qu'il faut intervenir sur cet enjeu-là. Et j'ai l'impression que parfois, à travers ces interventions, c'est un message de détresse qu'il nous envoie. J'ai envie de lui dire, si vous êtes en danger comme nationaliste à la CAQ, clignez les yeux deux fois. On va venir à votre secours. Aujourd'hui, on s'est dit, c'est pas la bonne. J'ai vu une première page de journaux annonçant, il va dire quelque chose. Tel un oracle. Il a dit quelque chose. Première chose que j'ai réalisée, les journalistes de la tribune de la presse parlementaire m'ont dit « On a perdu notre heure de dîner, on n'a rien appris. » Plusieurs, et non les moindres. Bon, qu'est-ce qui ressort de ça? J'ai regardé la revue de presse. Là, j'utilise les titres. Le premier ministre ferme la porte au ministre responsable de la langue. Loi 101 au cégep, le ministre ouvre la porte, le premier ministre la referme. Refonte la loi 101, le dépôt du projet de loi reporté au printemps. Le dépôt du projet de loi refonte de la loi 101 est encore reporté. Et la réforme de la loi 101 est reportée une fois de plus. Toutes les tendances de report. Je dis, jugeons les œuvres. Jugeons le projet de loi. Lorsqu'il sera déposé, savez quoi, M. le Président? C'est moi qui vais représenter ma formation politique. Et on regardera si c'est costaud, on regardera si c'est cohérent, on regardera si c'est ambitieux. Mais d'ici ce temps-là, M. le Président, de grâce, est-ce qu'on peut regarder vraiment les œuvres qui sont en cours de réalisation? Et il y a des choses à dire. Jusqu'à maintenant, ce qu'on peut deviner en matière de langue, pour les entreprises de moins de 50 employés, le premier ministre m'a déjà dit en public et en privé que ça n'arrivera pas. Il m'a dit ça. On a parlé de la légifération sur le bonjour aïe, ça n'arrivera pas non plus. L'affichage, déjà balisé, j'ai entendu le ministre tantôt avec Pierre Bruneau. C'est déjà pas français, mais je pense que le ministre a appris aujourd'hui la position de son premier ministre. Pourtant, il travaille en petit groupe, puis il trouve le moyen dans le petit groupe de se faire des omissions. Le premier ministre a appris que non, il ne fallait pas aller là. C'est une journée difficile. Difficile. Alors, je veux dire que, regardons ce qui se passe présentement. Faute d'avoir le projet de loi, là, on est mobilisé sur un projet de loi qui n'est pas là. C'est mal parti pour un projet qui n'est même pas parti. Il faut le faire. Alors, c'est quoi les œuvres actuelles? En matière de francisation des immigrants qui viennent au Québec, l'exigence de parler français a été ramenée à la baisse par le premier ministre. En 2017, il a dit « ce n'est pas le critère le plus important ». Manifestement, il n'a pas changé d'idée. Résultat des courses,
2018 et 2019, il y a moins d'immigrants qui parlent français à l'arrivée, moins que sur le gouvernement libéral. Et il y a Dawson et McGill. Merci.